Et yo les petits potes, c'est Breku, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, pour vous présenter un nouveau deck Jean Electro les gars. On va rush tout simplement, on va faire 3-4 games en ladder pour vous le montrer les gars. Donc voilà, un deck Jean Electro, donc Jean Electro Prince pour aller l'accompagner, le Baby et Iwis pour aller chercher l'aérien. Ça pour aller chercher tout ce qui est gros DPS terrestre, pour défendre le spam et pour détruire les bâtiments. Et ça pour le cimetière. Bon les gars, avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Et les gars, sinon on part sur le premier game contre Singulari, contre Lion Squad. Donc là, ce qu'on va faire, le but c'est d'essayer de mettre... Voilà, on peut mettre Jean Electro puisque c'est comme un deck golem. Comme c'est comme un deck golem, bah on peut mettre Jean Electro first play. On a le colis, tout va bien. Hop, maintenant. Hop, ok. Parfait, merde, j'ai raté mon colis. Ça faut pas le dire, chut. Ok, alors qu'est-ce qu'il a? On va attendre un petit peu, voir ce qu'il a. Ça a l'air du mortier. Ok, on va mettre le Lewis. Attends, est-ce qu'il y avait pas un placement qui permettait la créature du roi? Non. Il a bien placé son D2, il a bien joué. Bon, ok. On va gratter quasiment autant de dégâts. Putain, son gobelin à lance qui casse les couilles, quoi, vraiment. Ouais, alors là j'ai plus grand chose là. On va mettre le pêcheur. Le pêcheur qui doit déjà tout ça, parfait. Et normalement il a pas recyclé son D2 il me semble. Moi par contre j'ai cyclé mon Jean Electro et c'est reparti. Les gars, c'est pas un deck très skill, je vous le dis direct. C'est pas un deck skillé du tout même. C'est plutôt un deck no skill. Et par contre ces gobelins lance, il les a bien placés, il me casse les couilles. En vrai on va mettre de bons dégâts mais bon. Oh, y a ces deux gobelins qui sont morts. Je suis mort. Ok, là on va colis. Ah, non, on va pas colis, on va juste mettre un électro, je pense. J'attends de voir. Ouais, j'ai l'électro alors. Hop, j'ai pas colis. Parce que le colis, faut que je le garde. C'est vrai, mon prince reste en vie. Nickel. Ça y va défendre les mineurs. Et là, on va les prendre cette première tour. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, les gars. Ok, on va mettre ça. Bah, nous, on a encore le colis. Là, on peut mettre le colis. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Ok, donc là, il y a un deck MK Bait. Donc, ce qu'il faut faire, là, on va mettre les... Oh, 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 j'ai failli mettre mes archers dans le mineur, là. Sans vous l'avez vu. Ok, c'est parti. C'est parti. Ouais, alors, calme-toi, s'il te plaît. Hop, nickel. Ça va défendre. Cette fois, je ne pense pas qu'il sait qu'on a une foudre. Alors, ça, c'est un gros avantage. Là, on se... Ok, il n'y aura pas besoin de la foudre dans tous les cas. On va mettre le petit pêcheur. Nickel. Je l'ai mis dans le truc. Là, attends, est-ce que... Est-ce que ça... Ah, j'ai foudre. Hop, hop. Nickel. On va mettre d'excellents dommages, là. Hein. Il ne nous a pas encore pris le tour. Hein. Je vais défendre avec le Jean Electro. Là, j'ai mis de l'électro sensé pour être sûr, parce que tout le monde joue dans le placement et je suis dans la merde, tu vois. Ok, nickel. Et là, on va aller prendre cette première win contre Singulari, les gars. GG well played, en fait. Ok, on a son profil en 2-spi. Hop. J'ai le seum, en fait j'avais rec mais la vidéo elle avait bugué, je sais pas, il y a eu un bug de micro. En tous les cas j'ai perdu, le gars c'est une plusieurs counter qu'il avait, le gars, frère il a flèche d'ab boule de feu genre. Le gars il m'a éclaté toutes mes troupes. Bref, on part sur la deuxième game les gars, la game des 6K3. Alors pas de commentaires sur le dérush les gars, hein. Pas faute d'abord d'essayer de rerush mais bon tu connais les air kicks, hein. Ok, on peut repartir en jeu électro first play. Attends, le Jean Electro il est vraiment trop fort en vrai, hein, quand même. Au début il pue la merde et là maintenant... Attends. Je vais foudre. J'ai le temps qu'il mette une troupe et je foudre. Ok. Allez. Ok, nickel, j'ai une très très belle foudre. Parfait, c'est nickel. En plus il a raté son fuit barbare et là on va aller prendre la tour, je pense. On attend un petit peu, voilà, nickel, on a la tour. Ça c'était assez facile d'avoir une tour.
Ouais, bah après, je sais, il joue du golem, golem, c'est encore plus hostile que ce deck, donc Ok, on va aller attirer ça tout ça ici. Parfait. C'est défendu. Ah ouais, ok, alors. Là, je sais pas comment faire. Je pense que j'aurais dû mettre de la pression. J'aurais dû mettre de la pression. Vas-y, on va essayer def et on voit comment ça se passe. Après, si on met un golem. Je pense que là, cette def, elle va être assez facile. On va mettre ça. On va mettre un baby aussi. Nickel. Oh! Oh yes, il est mort. Oh, il a fait de la dé là en vrai. Oh, mais le puits là. Qu'est-ce qu'il a fait? On est d'accord qu'il a pué les gars là. Ok, il met une MG, ouais. Le prince qui va les mettre un coup, ça fait plutôt plaisir. Et nous, on va directement partir en 3 coins puisque on en a rien à foutre. Ah, ça c'était un beau fuit à barbare ça. Waouh. Ok, bon, on va pas def, on s'en fout, on va se prendre 3 coups de barbare. Pas dramatique. Oh, il part en golem du même côté. Oh, what? Ok. Attends qu'ils mettent ces deux dragons. On va aller attirer le pêche et le golem là. Pas qu'il nous. Hein, voilà. Ok, normalement le dragon qui va mourir plutôt vite. Dragons. Et là, en tous les cas, on va pouvoir mettre un deuxième. Hop, voilà, nickel. Exactement ce que je voulais, c'était le but. Parce que je savais en fait que j'allais devoir def comme un porc et cycler. Et là maintenant, bah, on est bien quoi, il y a double prince. Ouais, pas double prince avec le prince ténébreux, là on a vraiment double prince quoi. Et là, je pense qu'on va aller prendre cette deuxième win contre Takuan. Oh, même un trop couronne peut-être. Allez! GG. Well played. Et voilà, ça fait plaisir. On repasse les cicatrices ensemble. Bah ça fait plaisir, voilà. Je suis vraiment rien son profil. Ah, lui, ouais, bon, il était nul hein, parce que regardez, j'ai un pote dans ma liste d'amis. Attends, est-ce que il est en train de jouer? Voilà, il est à 7K donc bon, voilà quoi. À dire qu'il a pas mal rush quoi. Ok, on part sur cette troisième game contre Striker. Ok, donc les gars, on va je vous dire un petit peu les avantages et les inconvénients. Match-up facile, Arkix. Arkix, c'est méga facile. Et ce qui peut être très compliqué, c'est tout ce qui est rapide, genre Lockbait 2.6, etc. What? Mais mec, t'es un peu con, genre. Il a mis Golem au pont, je suis mort. Il a mis Golem au pont. Bon bah mec, GG, t'as perdu. T'as mis Golem au pont, mec. Le gars, il a mis un bomber, il a mis un Golem. D'accord, bah chacun son délire, mec, hein. Bon, on va aller prendre cette première tour assez gratuite. Oui, cette tour il me l'a offert, mec. Oh, ça bute les gens comme ça. Oh, oh, yo, yo, il est golem. Oh, yo, yo, le niveau. Je suis mort. Hop, hop, hop. Ok, on va mettre un baby. Vous pensez qu'on est des bons joueurs ou pas? Ah, c'est pas un contre-pêche après, vas-y, en vrai, nique sa mère. Hein. En vrai, les gars, nique sa mère. Hein. Il a mis 48 d'élex, ça buste. Il a mis 48 d'élex pour def. J'ai pas à défendre, on s'en bat un peu les couilles. Ok. La mousquetaire, je vais quand même la def, je pense juste mettre un colis en tous les cas. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait jouer là? Oh, what? Mais. Oh. Par contre, il a des flèches, ça va pas me plaire. Attends, je vais forcer 4, je vais forcer 3 au moins. C'est 3 au moins qu'il pourra jouer. Je vais mettre un dernier truc et je foudre. Allez. Non, t'as pas envie. D'accord. Ah, son bomber il va être relou par contre. Hein. Son bomber il va être chiant. Attends, donne-moi une petite foudre gratos là, en despi là. Non, t'as pas envie, d'accord, on va quand même foudre. Hop, hop, nickel. Parfait.
Ouais, mais ouais, je mets niveau en fait. Allez, on va faire la même chose. Je me rappelle, on est des bons joueurs. On va remettre ça sur la tour du roi sans aucun problème et sans aucun scrupule aussi. Hop, on va. Oh merde, le colis qui était nul à chier du coup. Et il est obligé de full def, regardez. J'ai mis plus de dégâts avec un jeu électro qu'il a mis avec un golem full, je suis mort. Vas-y, on va foutre ça. Il était mousquetaire au pont, mais wesh. Le mec. Aïe aïe aïe, le niveau du gars quoi. Au secours. Oh putain. Ok, nickel. Ça fait plaisir. Montre un petit peu. Ah, lui, t'es pas très. Ouais, voilà quoi. Lui, il monte à 6K 3 et il va redescendre à 6K quoi. C'est cool ce deck. T'es quoi que je peux le jouer en plus en ladder hein. J'ai 2 cartes 12, mec, tranquille. Ok, les gars, on part sur cette dernière game contre ce monsieur qui n'a pas de clan. Ok, bon, alors là, on a déjà un petit peu la pire main de départ. Donc, on va faire croire qu'on a de l'Arc-X. Faire croire qu'on a de l'Arc-X. Ouh, oula. Ok, alors, hop, hop, hop. Voilà. Ça va là, tranquille. On va mettre le. Ouh, j'ai dit on va mettre le pêche-pêche, mais bon. Voilà quoi. Mettre le prince, hop, ouais, nickel. Le prince qui a chargé. Je pense qu'il va être relou le prince pour lui. Hein. Il joue les trop mousquetaires classiques normalement avec le bélier. Je sais pas, j'ai jamais joué contre ce deck. J'en ai aucune idée si j'ai un bon match-up. Je n'ai vraiment aucune idée comme je l'ai jamais joué. Oh merde. Ça c'était pas. Oh, j'ai un tome colis en plus. Oh ouais, non, mais là. Non, faudrait. Vas-y, le cochon qui est en HP il meurt pas. Logique. Oh, les dégâts que j'ai prendre là sur ça. En vrai, j'ai essayé de mettre un pêche devant pour forcer un petit peu, tu vois, mais. Oh, attends, peut-être. Oh, il y a un. Attends. Hop, 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 tu viens là, toi. Oh, elle s'est fait éclater sa voleuse. Je suis mort. Ok, on va mettre un coup d'archer, on va mettre deux coups d'archer, on va mettre trois coups d'archer. Ok, ça va. On a égalisé les dégâts, c'est plutôt bon. Alors. On a trois mousquetaires en face. S'il pose trois mousquetaires là, c'est le plus gros débile de la night. J'ai juste à foudre, il n'y a plus de mousquetaires. Hein. Alors, je vais faire. Merde, c'est pas ce côté, je vais partir. C'est pas grave. Une cabane de gobs. Ouais, pourquoi pas. Et bah, vous êtes tes trois mousquetaires, mec, là, en deux spi. Ok, chasseur. Je pense qu'il essaie de me faire forcer ma food. Ok, ça c'était. Je sais pas si c'était bien joué, mais on va essayer quand même de food dans tous les cas. Hop, 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 nickel. Là j'ai plus de food. Ouais, en fait, le problème c'est que gobelins ils font trop chier. J'ai pas de zap, pas de flèche pour aller chercher tout ça. Mais on va mettre d'excellents dommages, hein. Moi ça me va. On va split les archers pour aller défendre tout ça. Je pense qu'on va devoir mettre un prince dans tous les cas. Tant qu'à faire, protéger mon archer. Ok, du 3 mousquetaire. Je pense qu'on va partir avec mon jeu électro de ce côté. Si mais c'est halouf. On va colis. Plus. Ok, il va rien mettre. Ouais, il va cochon là, c'était sûr. J'aurais dû pré-shot. J'ai mon colis qui était beaucoup trop tard. Oh non, il était bien. En fait, il était. Oh, attends, il était pas si mal que ça en fait. Hein. Et attends, est-ce qu'il y aurait pas moyen là de moyenner si on spam? Là, il y a moyen, je pense, je l'éclate en vrai. Hein. Oh, nickel, le pêcheur qui prend l'aggro. Non. Ok, ça va. Ça va être relou là, ça va être chiant à passer, ça va être compliqué surtout. Ok, nickel. Il va refaire la même. Nickel. L'esprit qui meurt à chaque fois. Oh, attends. Ouais, il a bien joué. S'il met des 3 mousquetaires. En fait, son mousquetaire, il les joue plus là, je comprends pas. Oh, le baby peut-être. Ok, bon, il a bien joué. Oh merde les... Oh, merde, j'ai fait de la dé, j'ai paniqué. Non, ok, nickel, c'est... Là, j'ai pas le choix, là. Ok, c'est bon. Ça va être défendu assez facilement. Oh, c'est la merde, là. Oh, cette game, elle est méga tendue. Ok, bon. Là, cette fois, on va partir plutôt comme ça, je le pense, ça va être mieux. 3 mousquetaires du même côté. Ah oui. Déterre toi mec hein. Alors, attends là le but ça va être de cycler. Hop mais j'attends mon prince. Non mais je suis nul, je suis juste nul en fait. Ouais mais là mec je vais avoir une value de colis par contre. Oh le baby, oh le baby les gars. Oh le baby, oh yo yo le baby.
Mec, le baby il a tout éclaté. Alors là, je vais pas vous mentir que si mes décochons, ça peut. J'attends mon électro-sorcier déjà pour commencer. Le prince. Ok. Ça va être géré. Falloir que je commence à mettre des dégâts par contre. Je pense que ça serait une plutôt bonne idée. Oh, attends, mais pourquoi il met les trois mousquetaires comme ça? Il est con quoi. Ok, moi ça va être facile. Oh, attends, est-ce que la cabane elle prend un gros? Oh, dommage. En vrai, on va mettre quand même bon dégâts, je pense là. Ah, vas-y. Ah, trop chiant son deck de mort. Ouais, on va tenter de pré-shot colis. Oh le bâtard. Oh le bâtard, il m'a brain. Oh le bâtard, il m'a brain. Non, rien à dire. Rien à dire. Il m'a brain. Bien joué à lui. Ah non, il a très très bien joué. Hein. À la fin, il m'a bien brain. Après, il avait quand même, je pense, il avait un très bon match-up. Hein. Alors, sa cabane qui reloue, il a plein de trucs pour aller me gérer. Je pense clairement c'est un counter, mais il a très très bien joué. J'ai rien à dire sur ça. Il a pas spammé comme un gros débile. Il a mis des cochons, il a essayé de me brain, etc. Il a bien joué. Bon, les gars, c'est de la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas, les gars, dans les commentaires, concours passe royal. Les gars, je le ferai gagner pour le jour de l'an. Voilà. Allez, ciao.